Didier Deschamps serait-il prêt à démissionner de son poste d'entraîneur de l'équipe de France? Selon le correspondant sportif Fred Hermel, le CM. L'avenir de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur des Bleus est-il incertain? Sélectionneur et entraîneur des Bleus depuis 2012. L'époux de Claude a connu son premier véritable échec ce lundi 28 juin, lors des huitièmes de finale de 2021 Euro de football. Les Bleus ont été éliminés de la compétition face à la Suisse, 3-3, après une rencontre chargée en rebondissements qui s'est terminée au tir au but. Après le tir manqué de Kylian Mbappé face à Yann Sommer, Didier Deschamps a assuré dans les colonnes de l'équipe qu'il faut accepter cette situation. Personne ne lui en veut. On s'est parlé avec les joueurs, on sait très bien la force de ce groupe. L'unité qu'il a, on a connu des moments merveilleux ensemble. Il faut l'accepter. A confié l'entraîneur des Bleus. Pour Fred Hermel, correspondant de RMC Sport à Madrid. Cette élimination de l'équipe de France de l'Euro pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Didier Deschamps. Si l'ancien footballeur est lié aux Bleus jusqu'à la Coupe du Monde de 2022, il pourrait rendre sa casquette avant selon Fred Hermel. Une chose est claire, Noël Le Graët, le président de la FFF, ne va pas limoger Didier Deschamps. C'est impossible. Par contre, est-ce que Deschamps a envie de continuer? Il n'a pas parlé de son avenir. Mais hier soir, il y a eu quelques éléments qui peuvent interroger, souligne le correspondant sportif. Pour lui, Didier Deschamps a eu une perte de contrôle sur ses joueurs. On a vu ce qu'il s'est passé avec Pogba, avec Coman qui ne voulait pas sortir. On n'a plus le Didier Deschamps qui tient son groupe, il a perdu de l'autorité. Et lui-même pourrait se dire que c'est le moment de partir, cette discussion avec Coman était surréaliste. Quelqu'un d'aussi intelligent que Didier Deschamps va détecter ce genre de choses. Ça peut l'amener à réfléchir, affirme Fred Hermel. Mais alors, qui pourrait remplacer Didier Deschamps au pied levé? Fred Hermel a sa petite idée là-dessus, Zinedine Zidane. Qui vient tout récemment de quitter son poste d'entraîneur du Real de Madrid. Il est 100% prêt. Je vous rappelle qu'il a quitté le Real Madrid. Il n'attend que ça. Et son staff n'attend que ça. Assure le correspondant. Reste à savoir si ce rêve de Zidane se réalisera.